secteur du jeu vidéo en Belgique actuellement grandit de plus en plus. Donc c'est ce qu'on voit ici. C'est la sixième, année qu'on est à la Gamescom. La première année, on avait 5 entreprises sur le stand, et là, on est passé à 24 entreprises. Donc on voit qu'il y a vraiment un secteur qui grandit de plus en plus. On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont créées, de projets qui sont soutenus. Donc c'est un secteur qui est en forte croissance à l'heure actuelle. Ce que nous on voit, mais plutôt en termes business, c'est qu'il y a pas mal de sociétés de services pour le jeu vidéo qui sont en train de se mettre en place. Donc on a l'exemple de Demute, qui est une société qui fait du son pour le jeu vidéo, ou AppTweak, qui fait des services de référencement pour les jeux mobiles. Et donc ça, c'est une tendance qu'on voit aussi à l'heure actuelle. En 5 ans, tous les chiffres ont doublé. Donc que ce soit les chiffres d'emploi, les chiffres de création de sociétés, ou les chiffres de chiffre d'affaires, on voit que tous ces chiffres en 5 ans ont doublé. Donc le secteur se porte plutôt bien et est plutôt en bonne croissance. On a quand même pas mal de gens qui sont dans la création de jeux vidéo et aussi dans les applications. Et la Belgique, c'est quand même depuis 5-6 ans vraiment un pays qui est en train de grandir au niveau de développement, parce qu'on a notamment quelques écoles à Namur et à Courtrai, qui sont très très réputés mondialement. Il y a quand même pas mal de boîtes en Belgique qui sont en train de se faire connaître. On a des gens comme Larian, Studio Hagan, qui fait notamment Baldur's Gate pour l'instant. Donc je vais faire un peu de pub pour eux, mais il y a beaucoup d'originalité. Et c'est ça qui l'originalité, des gens qui sont créatifs et qui ont de l'expérience pour faire aussi du qualité, parce que c'est important qu'il y a du qualité aussi.